Est-ce qu'il me faut? Attends, ça c'est une grenade J'ai un incendiaire chasseur étanche. là. Pourquoi j'ai un chasseur Inviter un ami. J'ai un chasseur avec des avec des Bien trucs. grand mot. Bah, t'as peut-être. Super. Super ambiance. T'es peut-être resté en vie. Ok. Basé sur les compétences. Évidemment, autoriser des équipes de 3, ce serait trop gratiné. On ne va pas le faire. Ouais, bah j'ai tout. Est-ce que j'ai 2 secondes, hein? Ça Oui, moi ça me dérange pas. va. Vas-y, bah je prends un chasseur level 29. Je sais pas. 26. Oh, mais pourquoi on est Putain. MMR4? Mec, on va se faire défoncer la gueule. Putain. Avant, on était 3 ennemis. Ouais. Bah ça veut dire qu'on est fort et du coup ils nous ont mis un niveau élevé. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que bon. Je me considère pas non plus comme très fort Bah quoi. non, quoi. Voilà, doucement, quoi. L'autre fois. J'ai invité un gars dans notre lobby quand on jouait machin et il avait jamais lancé le jeu. Du coup, ça nous a mis un lobby MMR2, je crois. Tous les ennemis étaient débiles, c'était un plaisir. Genre vraiment, il y a un autre monde dans Unshowdown, mais on le connaît pas, c'est tout. Putain, mais en fait, finalement, c'est comme avoir un consumer. Oui. Bah franchement, c'était agréable. Je pouvais courir, tu vois, genre être moins prudent et je prenais pas genre tu sais des one shot comme d'habitude là. Tu sais à peine tu te découvres ou t'es un peu open. Tu prends une tête. Là, c'était pas comme ça, hein. Tu faisais ce que tu voulais. Ça va être un plaisir parce que là, vraiment, moi, chaque game, c'est une tension Ah, incroyable, hein, c'est parce que. punitif à Stello, hein. Franchement. Mais après, c'est parce qu'on est fort, hein. C'est parce que nous, on met la même chose, en fait. On est très fort aussi. C'est le revers de la médaille. Oh putain, j'y pense. Ma VOD aspirateur sur la chaîne secondaire qui va durer 12 minutes. Elle va être lourde, hein. Probablement la vidéo la plus vue de la chaîne secondaire bientôt, hein, je pense. J'imagine. Un Mosin Nagant baïonnette, j'étais pas au courant de ça. Ok. Je l'ai eu aussi, ils m'ont offert, je l'ai vendu, du coup. Je crois que c'est pas mal, mais. J'aime pas le feeling du Mosin. Du Mosin? Ouais, je le dis Du avec l'accent cowboy? texan, quoi. Ah, je me Un problème souviens pas trop du double Mosin. boss, j'aime pas là. Ça a tiré Ça a pas tiré loin. directement au sud là. Ok, alors lui il va nous emmerder. Je crois qu'il y a une femme qui pue à l'intérieur. Non, c'est bon. Oh non. Ah oui. Oui. Elle est au-dessus de Ici. nous. Ouais. Si on est Elle discret, c'est bon. va pas nous envoyer des mouches. Elle en fait un bordel, la vieille là. Eh oh! Eh, doucement, hein! On n'a rien fait, hein! Ah! C'est plus calme Oh déjà. là! Ils sont 5. Alors, du coup, l'araignée, est-ce que c'est bon au moins? Ouais, c'est par là. Ah, ça canarde, hein! Paf, paf, paf! Oh, ça tire vite, là! C'est une bataille ou ça se fait le boss déjà? Ça pourrait fortement être un boss, ça! Et en plus, il Ça le fout très canarde pas vite! mal. On va le savoir dans peu de temps, vu comment il tire. Bah, tu sais quoi? Va prendre l'indice qui est à droite. Ouais. Pour J'y gagner vais. du temps, et moi je vais avancer. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Que ça tire quand même vachement à gauche. Et à gauche, c'est pas où il y a l'araignée. Si c'est un fight, les mecs, ils ont pas dû être contents en face, hein. En plus, on a. C'est pas comme sur CS, on n'a pas d'indication sur les morts, donc. Ah ouais. Bah, tu sais quoi, tu devrais venir près des explosions histoire d'eux. Moi? Ouais, comme ça on voit ce qui se passe. Attends, parce que j'ai l'indice pas très loin là. Je vais aller le chercher, je Ok, pense quand bah même. va chercher l'indice et Et après, je je vais reviens. guetter. Je suis où là? Ah, je peux avoir une équipe qui me. En vrai, ça sent le fight de boss parce que c'est dans un bâtiment, je crois, qui est très grand. Attention la mouche, me touche pas. Oh là, je crois que j'ai entendu un boss là. Et donc, tu me demandais si j'allais prendre un J'ai McDo trouvé après ce l'araignée. live? Oui, c'est le cas. Ah ouais? Tu vas prendre quoi comme sandwich? J'ai trouvé l'araignée. Ok, mais du coup, je. Ok, bon, on va vers l'araignée. Mais vu qu'elle est un peu en bord de map, ça m'étonnerait qu'une équipe ait pas spawn dessus. On les entendrait. De toute façon, il y a juste à mettre ton E, tu verras s'il y a des gens dans les 50 mètres aux alentours. Bah là, c'est blanc, du coup, j'imagine que non. J'aime pas me faire l'araignée, mais bon. Moi non What? plus. Moi non plus.
Je vais essayer de trouver un truc de corps à corps et on va y aller, hein. Oh la bombe, la grenade ruche que ça me donne là. Quel plaisir. C'est dommage que sans Forza on puisse pas faire le DR en duo. On peut pas ? Non, y a rien, tu peux rejoindre avec personne. De toute façon, il marche pas du tout le mode de jeu donc. C'est quoi ces jeux buggés qui sortent là ? C'est quand même. T'as vu le nombre de jeux de grosses licences qui sortent et qui sont buggés ? C'est pas ouf de faire ça en vrai. T'es devenu une base, j'ai l'impression. T'as un gros jeu, bon bah tu peux te permettre de le sortir à 60 balles et qu'il soit buggé. Hein. Parce que c'est des grosses boîtes hein, qui font ça, c'est con. Hein. Ah oui ? Et j'ai l'impression que les petites boîtes indées ont moins de problèmes avec leur jeu que quand il y a un studio avec 150 personnes dessus. C'est étonnant quand même. Hein. Un peu le culot quand même. Hein. Enfin moi je me souviens d'un jeu qui s'appelait Agro à sa sortie. Rien d'aussi grave en termes de bug. Hein, Ça se jouait aux oignons. Elle est hommage. Merde. Alors j'ai le mec en feu sauf que j'ai pas de... Ah. De poids. Donc je vais tenter avec la crosse de mon pistolet. Ce sera un peu long mais ça marche. Bon, hey, je vais mourir à cause de lui. Bon bah j'ai pas le choix. C'est elle qui m'a fait mal là. C'était bizarre. C'est peut-être le mec qui a explosé à côté. Aïe. Aïe. J'arrive pas à sortir. Je sais pas si t'as vu de la santé quelque part. Je suis grave bah, chaud. S'il y en a, j'en aimerais bien avant parce que. Moi aussi. J'en ai perdu à cause du pont. J'ai un peu eu mal avec l'araignée là. Non, elle me fait pas de mal. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, mais elle est là, ça. Oh ah, elle est là, la saloperie. Oh non, elle va me tuer. Alors là. J'ai plus qu'une barre de vie. Moi aussi. Mais j'ai pas trouvé de santé, c'est chiant. Bah, je vais m'en mettre, hein. C'est, je l'ai gaspillé, aussi. Mais bon. Je vais m'en mettre, parce que là, c'est trop là. En plus, il lui reste pas mal de vie, je crois. Ouais, c'est chiant. Ah, j'ai perdu ma hache. Oh, je vais me la taper à la baïonnette. Il me tue pas, hop. Oh, t'as un peu pris cher. J'ai une demi-barre de vie. Oh, elle est quasi morte, putain! Saloperie! Viens là. Reste calme. Reste... C'était stylé! L'extérieur, c'était vraiment ça, rendait, ça rendait bien. Attention, elle peut te tuer. J'ai avec un centimètre de vie là. Le dernier. Super. Et du coup c'était pas un combat de boss l'autre truc. Ah ça court là. Ça court. Ça court de dingue. Ça court de ouf. Ouais, y'a pas de doute. Ok, ils sont dans la maison je pense. Il y a un piège en bas. Bon, étant donné qu'ils savent qu'on est là, je proposerai la technique du... pas le choix. Ouais, j'ai pris une putain de balle. Je l'ai oh, eu. Bien joué. Je l'ai eu. Mais c'est vraiment un move de génie. Hein. Bien joué. Il y avait son pote ou pas? Ah, il m'a tué! Il était, ouais, il est dans. Il est dedans. Faut pas que tu le laisses se refaire. Reste son pote. Il était au bout. Par là, ouais. Mais là, avec la smoke, à la limite. Ah! Il va te la lancer.
Ah, il faut juste pour profiter de la smoke pour la confusion. Bon truc ça. Bon, si tu peux me raise ou pas? Ah non, non, on voit vachement, je trouve. C'est pas possible. Vraiment, ils l'ont pas trouvé. Qui est pris, qui croyait prendre? Je suis dans la merde de ouf. Oui, surtout s'il reste son pote. Attention, peut-être. Il arrête son pote, putain, tu crois? Je suis empoisonné. Oui. T'as plus de vie, hein, soigne-toi. Putain, mais putain de mouche! Ah non, il apparaît, il est encore à côté. Il aurait pu. Je pense qu'il fait des petits décals pour vérifier que tu le raises. Ouais, c'est ça. Si t'as un truc à lui lancer le temps de me raise qui fait un peu de fumée ou quoi, en vrai. J'ai une mollo, je sais pas si ça va. Tu la lances au bout, histoire qu'il puisse plus décaler. Pendant... Dès que tu la lances, tu me raise, caché derrière un truc. Tu veux pas la lancer? Couillu. Ok. Attends, je vais cramer son pote. C'est une bonne chose. Il crame. Et bah, il a pas le choix. Faut aller raise. J'arrive derrière lui là. Oui, il s'est barré où? Putain, je sais pas où il est. Il est en tout cas du côté où je suis mort. 43 mètres, il m'a tué. Donc il s'en fout de son pote en fait. Je crois, ouais. Et t'as vu? Fais gaffe, il vise bien. Hein. C'est une galère. Surtout qu'il fait pas de bruit. Ah. Salut. Il fait le tour. T'as un trou dans le bois, hein, à gauche. Là, il est low HP, ce con, là. T'as ça? Ouais, ça peut marcher ça. Ah le bâtard. Oh, prends ton cutting. Oh non! On s'entretuer.
on s'est entretués. Oh non. Ah, le premier coup de cut qui passe pas, je suis dégoûté. Il est mort, hein, mais putain, on est tous morts en fait. Ah merde. Ah, c'est pas de chance. Ah la flash, je m'attendais pas à la putain de flash. C'était malin la flash, hein. Ouais. Mais voilà, bah, tu sais quoi, c'est la morale de l'histoire, tout le monde est mort, personne n'a gagné. Putain, c'est un beau combat de merde. Par contre, mon chasseur coûtait quand même une blinde, mais enfin. Moi, il était niveau 26, le bordel. Ouais, moi, j'ai pris celui qui coûtait le plus cher parce que c'était le seul qui était avec des specs qui étaient pas affichés. Merde. Il a dû faire comme moi. Oh non. Aïe, 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 aïe. Pouh, là, les chasseurs de merde. Allez, on va prendre un chasseur et on va pas lésigner, c'est bon. Horrible. À un moment donné. Horrible. Bombe étouffante. C'est bien les bombes étouffantes ? Bon, on sait jamais. Je sais pas. C'est bien parce que quand ton pote brûle, ça l'éteint. Ah ouais ? Ouais. Ah oui, c'est vraiment vachement bien, pratique. Ça. Ouais. Si t'en as plusieurs, je crois que tu peux les stack, c'est vraiment OP. Voilà, je suis ready. D'ailleurs, je devrais en prendre. Attends, je vais en prendre. Bombe étouffante. Et les thunes, par contre, là. Ah, j'ai 1200 thunes, balles là. Ah, on allait avoir la prime là. On allait se mettre bien. Ça se joue à un coup de cut. Dommage. Dans la vraie vie, est-ce que vous seriez vraiment entretué? Non, c'est moi qui gagnais. Ça se voit, j'ai mis le couteau en premier. Allez, trouvez-nous des mecs à tuer là. Ouais, c'est bon. Il est mignon ton fusil, qu'est-ce que c'est que ça? Parle à moi? Ouais, t'as des petites. Bah, t'es con, c'est le skin. Ouais. C'est le skin de la. Bah ouais. De la Veterly. Ouais. Je sais pas, je l'ai pas rejoué depuis que j'ai pris le skin. Ah bah ça valait le coup de nous faire chier. Ouais. Bah là je prends les armes que j'ai dans mon inventaire. Pour pas acheter. T'as écouté la dernière musique de Joy Cake qui s'appelle Bonbon? C'est une dinguerie hein. Elle est lourde de ouf. Où est le piège? Bah rien, va sur Spotify et va sur le compte de Joyka et... pour écouter sa musique bonbon. Je te connais pas, vas-y hein. Elle est pas copyright. Où est le piège? Bah va sur Spotify. En live. Quoi, je vais me faire bannir, c'est ça? Va sur Spotify. On va être en vacances? Oui, va je suis. Sur Spotify. Je le vois. Bah écoute Bonbon, c'est sa dernière chanson. Il a dit pétasse déjà. Est-ce que je continue? Ouais, je sais pas, moi c'est lui qui a dit ça hein. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Bonbon de Joyka. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, quand t'as pas l'histoire derrière, là je suis hors contexte. Hein. Ah bah, si tu crois que je l'ai pas non plus. Ah bon? D'accord. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un son sur Spotify de Joyka qui s'appelle Bonbon. Ça fait plusieurs jours que c'est là. Ah, mais je prends des mouches. Écoute la suite. Ah, t'as pas tout écouté? Tu pourras l'écouter si tu veux, tu peux l'écouter en live. Mais y'a pas eu un Edward. Oh, bah si seulement y'avait que ça. Parce que je l'ai arrêté à ce moment-là à peu près. J'ai décidé d'arrêter vers ce moment-là. C'est que le début.
Alors, je sais ce que tu ça fait plusieurs jours. Oui, oui, c'est ce que tu dis. Tu te dis, il a dû se faire hacker et quelqu'un a mis ça. Bah ouais. Je me suis dit ça aussi. Mais je me suis dit ça il y a 3 jours. Mais il a des problèmes en ce moment. Il a un... ne se passe pas aussi bien que prévu. Je vois que... Il est fatigué, Holot. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, mais parce que... En fait, le truc, personne c'est que... Personne n'en parle, genre. En fait, le problème, c'est que... S'il y a le N-word et le J-word... Enfin, s'il y a tout ça, genre... Non, il y a de tout. Il est au courant. Il y a un problème. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant qu'il faut pas dire. Mais parce que... Non, mais... C'est pas ça. Je pense qu'il n'est pas au courant que quelqu'un... En fait, il y a deux possibilités. Envoie-lui AMP. Tu es au courant que tu ne peux pas dire? Soit il est complètement taré et ça vient vraiment de lui, le son, et il est conscient qu'il a mis ça sur Spotify en mode gage, mais même en gage, c'est complètement malade. Soit il s'est fait hack, quelqu'un a mis ça, mais pourquoi ça fait des jours que c'est dessus? Là, c'est mystérieux et puis personne n'en parle parce que moi j'en avais pas entendu parler. Mais non, mais moi non plus, on me l'a dit et moi j'étais en mode oh, c'est quelqu'un qui utilise son pseudo, mais c'est pas lui, non, c'est son vrai compte Spotify. Bah ouais, je crois. Non, c'est sûr. Moi je fais du bruit. Il y a une vague de hack sur Spotify. Bah ouais, mais il en aurait parlé. Ouais, c'est pour ça, je pense. Si c'était pas lui. Pourquoi il a pas fait un tweet pour dire S'il est hack, il va le dire, non? Si c'est aussi. Enfin, s'il y a des paroles comme ça, il va être obligé de se justifier. Bah, il l'aurait déjà fait du coup. Ou alors, vraiment, il a craqué. Je vais mourir. Oh, jure, je vais mourir. La tête. Tu meurs à cause d'un zombie? Je vais mourir à cause des chiens. Putain, c'était une galère. Il a cru que j'allais pas m'en sortir. Trouve juste Joyka est un facho et on sait que maintenant, il n'y a pas de possibilité, on ne sait pas. On ne sait pas. J'ai vraiment hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. S'il y en a un, ça se trouve, il n'y a rien à dire et ça va juste rester là. Et tout le monde s'en foutra. Tu sais, là, il a ri au nôtre. Bon, les gars, je crois que le son il a pas plu. Donc, je vais le retirer doucement des plateformes. Putain, bizarre. Je suis perturbé là. Moi j'ai appris les lyrics par cœur en tout cas. Hein. Je veux des réponses en fait, c'est ça le problème. J'espère juste qu'il va la chanter sur scène quand il fera une tournée parce que si elle y est pas, je vais avoir trop le seum. Après renseignement, c'est un hack normalement. Oui, mais genre, si tu te fais hack et qu'il y a quelque chose de très répréhensible sur ton compte Spotify, tu communiques pour pas être dans une sauce. Ouais, dans le tout, tu préviens. On est au. C'est pas toi. Parce que ça pourrait passer pour être pour un genre de gage, tu vois, en mode vidéo l'autre, le gage, tu fais une chanson horrible et j'ai le droit de la poster sur ton compte, tu vois. C'est rouge, y'a des gens. Oh. Ah bon? Ouais. Y'a des gens quelque part autour du boss là, je sais pas où. J'ai peur maintenant. Vous êtes où? Je sais même pas si le boss est en hauteur ou s'il est. Tu crois qu'il y a des connards qui attendent là? Honnêtement, je pense. Du coup, ils attendraient pas. Que deux cons viennent dans le bâtiment. Oh! Ah! Ça a commencé. Donc, ils sont en train de se faire le boss là. C'était là. Que ça a explosé. Ok, j'entends à peu près d'où par où est le boss. Moi j'ai juste vu où était l'explosion pour le coup là. Pas plus. Ah bah c'est blanc là. De mon côté ouais, c'est blanc, raison, du c'est coup blanc. J'ai. Quoi?
Bizarre là. C'est très bizarre. Le chat, quand c'est rouge, c'est qu'il y a des gens, et quand c'est blanc, oui, oui, rouge. Du oui. coup, il y avait quelqu'un, et là, il n'y a pas quelqu'un. Ils se sont barrés. Ils ont vu le boss, et ils se sont barrés. Ils ont fait une explosion là-dedans, et ils se sont barrés. Non, mais alors là, c'est lui. Je capte pas. Là, je comprends pas, là. Ils sont déco? Parce qu'ils ont dû courir loin, genre, il y a eu une explosion, et peu de temps après, ils étaient plus là. Et le problème du boucher, c'est qu'on peut pas se le faire au corps à corps. Ça court à côté de moi. T'es sûr que c'est pas le chemin qui marchait? Non. Ouais, t'as raison. Ça court à côté de moi. À côté de toi. Tu aurais piné ou ça court? Comme okay. Ça. Je pense à l'extérieur du bâtiment quand même. Peut-être là. Ouais. C'est pas clair. En tout cas, je me demande pourquoi c'est passé en blanc. C'est-à-dire qu'ils doivent être un peu loin côté nord-ouest. C'est toi qui as tiré? Ouais. Ouais, c'était juste pour qu'elle fasse moins de bruit, parce que là, c'est infernal. J'hésite à faire un truc, mais bon. Tu veux faire diversion? Parce que je vais checker un truc, là. Peu, hein. C'est une grosse diversion. Ah, merde, j'ai pas réussi à... Vu. Maison là-bas. Quasi sûr okay. d'avoir vu. Merde. Je pense que je peux voir d'en haut. Faut que j'arrive à remonter. On m'a tiré dessus là. Ah bah tu vois, ils ne sont pas qu'à la maison. J'ai pris une tête. Mais ils sont où? Dans le bâtiment. À la base de l'escalier. Là. Ah donc dedans. Oh. Ah oui d'accord. Mais vraiment non, mais les pires joueurs de l'humanité hein. D'accord. D'accord, d'accord. Les pires joueurs de l'humanité, vraiment. Voilà, c'est le problème de ces niveaux-là, c'est que tu tombes contre des joueurs comme ça après. Il est juste tombé sur nos gueules quoi. Je suis un peu frustré. 8 novembre, bonbon, 8 novembre. Ça fait une semaine. Ah, c'est 8 novembre, ah oui, donc c'était pas que 3 jours. Sorti le 8 novembre, un titre. Ouais, mais peut-être qu'il se dit tant qu'il y a des streams. Non, mais what the fuck. Et peut-être qu'il va faire, t'imagines, disque d'or? Non, mais attends. Non, mais disque d'or avec bonbon. Là, juste après là, je vais la réécouter tranquillement et écouter les paroles comme il faut, là, parce que là, j'ai pas bien entendu, je crois. Putain, dommage. Mais alors. Le chat, est-ce que vous aussi vous avez vu quelqu'un dans la maison ou est-ce que j'ai vrillé? Pour moi, il y en avait un là, dans la maison et un ici. Parce que c'était rapide ce que j'ai vu dans la maison, mais je crois avoir vu. Tu veux en refaire une? Bah j'ai faim, mais j'hésite à en refaire une petite dernière. Ok. Ok, quoi? Bah on en refait une quoi. Ah d'accord quoi. D'accord quoi. Bon allez, on se met bonbon à fond là, c'est parti. Ah non mais moi je me fais pas bannir à sa place hein. Ça va hein. J'ai bien compris hein, que c'était une dinguerie son truc hein. Alors deux petites secondes, je retire ma longue vue, parce que je comprends pas pourquoi il y a une longue vue dans ce jeu. Hop. Non mais si un jour on dit oui ok, ils sont problématiques. Oui, bah nous on n'a pas sorti bonbon sur Spotify, hein, donc mollo mollo. Hein. Eh, tout de même, hein, mais tombe pas tout dans le même panier. C'est étonnant tout ça, c'est étonnant.
J'imagine, il fait la vidéo hit de l'été avec Squeezie et à la fin, il lui présente ce projet. Et donc, on baisse pas en MMR, hein. Deux parties catastrophiques et on ne baisse pas. Hein. C'est quand qu'on baisse? Ça met longtemps. Après, il vaut mieux sortir bonbon ou TikTok girl? Non mais bon. La question peut se poser. Effectivement, la question semble brutale, mais elle est légitime. Mais quand on y réfléchit. Il faut y réfléchir quand même. C'est pas évident. T'imagines? Ils sortent l'album et il y a que des bangers comme TikTok Girl et Je Scroll. Bah, tu te rappelles que Je Scroll et TikTok Girl, pourtant, c'est les deux titres qui sont sortis. T'imagines, elles sont toutes comme ça. Ça promet un bel album. Hein. Genre, quel plaisir! Genre, tu fais l'intégrale, t'es bien. Ouais, en fait, moi, le truc, c'est que cet album, il a une odeur de Max Boublil 2007. Vraiment, ouais. les musiques drôles. Tu vois? Ouais, même TikToker, la morale est hyper bizarre et tout. Donc trop, le sujet est traité de manière très bizarre. C'est très étrange, hein, vraiment. On a pensé bien faire, hein, j'imagine, mais bon. Oui, parce que, à mon avis, le fond, c'est de vouloir bien faire, c'est juste que c'est mal traité. Parce que j'imagine qu'ils ont pas craqué en mode eh oh, y en a marre d'être moralisateur, alors allez, c'est parti. Beaucoup de choses étranges en ce moment sur la plateforme. En tout cas, disque de diamant pour Bonbon, on le souhaite. C'est important. Allez, force. Tu vas nous le décrocher, mon gars. Oh putain, et les deux en haut, ça va aller? Bah, je vais pas le chercher, hein. Tire à toi. Hein. Ouais, t'as peur de quoi, là? Bah, vas-y. J'y vais. Oh putain, non, elle est barbelée. Ils sont deux. Bah, alors là, j'ai peur, hein, je te le dis. Hein. Aïe. Chacun en met un coup à chaque fois. Aïe. Aïe. Oh non, j'ai perdu la petite barre de vie. Je pensais que j'étais large. Vous dites qu'elle est aussi sur YouTube sous un autre nom de compte? Reste que Joyka n'a rien dit. C'est ça. Moi ça me trouve le cul quand même, hein, je vous le dis. Hein. Moi le truc le plus louche c'est que pourquoi ça fait autant de jours qu'elle est disponible et pourquoi il n'a rien dit. C'est comme s'il y avait Bonbon qui popait sur notre chaîne YouTube et qu'on ressortait notre vidéo sans rien dire. Genre sans problème, sans pression. Avouez que ce serait quand même bizarre. C'est curieux, non? Je vous dis pas que c'est forcément lui qui l'a fait, je dis juste que c'est étrange. J'ai le droit de trouver ça étrange. Ou alors il se dit ça va faire un effet Streisand, mais dans tous les cas là c'est quand même vachement touchy, il faut quand même le dire, voilà, quelque part, histoire démentir. Que les gens disent non, il a dit une fois en story, ouais. C'est pas lui, tu vois, genre non, mais faut même, pas un truc, même pas un parce communiqué que... YouTube, juste il faut démentir sur un petit truc, ouais. Un réseau de merde, une story, histoire que les gens disent ah non parce regardez que, c'est pas comme s'il avait sorti n'importe quelle chanson sur les filles de TikTok. Là c'est quand même gratuit. Sujet, quoi. Je pense qu'il a pas capté vu que personne en parle. Ouais je pense, mec. Je pense qu'il a pas tout... il va jamais sur son Spotify, il a pas remarqué, je pense. Ouais il sait pas, ouais. Ouais. Ça fait une semaine mais genre il l'a pas vu, je pense. La galère, frère. Putain, j'avais pas vu. En personne lui a dit, hein, c'est sûr. Il est pas au courant, le gars. Et ben on a la direction de l'araignée.
putain, il y a eu ce jeu, on peut pas sauter. En fait, c'est un teasing de l'album de McFly Carlito, c'est un feat avec Joyka. Et ah, c'est en fait, c'est McFly qui chantait et on l'a pas remarqué. Ah putain, comme Big Flo quand il a chanté anonymement en se faisant passer pour un nouvel artiste. Ah, il a fait ça, bah tu vois, c'est pareil. C'est malin. C'est malin. Fallait y penser, hein. Audacieux, les paroles, mais bon. Du coup, j'ai fini le documentaire d'Orelsan, là, le truc, et il a fait comme nous, en fait. Avec sa map à venir, il l'avait sorti sans aucun lien avec lui, et après, il a dit que c'était lui. Comme Agrou, en fait. Ouais, exactement. On est quand même des génies. Hein. Tu finalement. Vois, tu vois, il a... Sauf qu'on n'a pas le côté phobie sociale et manière de s'exprimer bizarre. Nous, on a juste le côté cool. Nous, on est juste stylé en fait. Rompiche cette game, hein. On s'emmerde. Je prends une tête. Ouais, il y a un gros shot là. À l'araignée. C'est cool, j'ai envie de faire l'araignée. Bon. Tu sais pourquoi on a peur des araignées de manière générale? Parce qu'elles ont trop de pattes. Ouais. C'est ça la réponse? Oh, j'imagine. Ok. Y avait pas de blague? Si, mais vu que t'as dit une autre réponse, je peux plus la faire. Ah, tu veux qu'on me repose la question et je dis je sais pas? Non, c'est trop tard, mais okay. J'attendrai un autre live. D'accord, ça marche. La pour un contexte ou une araignée. D'accord, la prochaine fois je ferai attention. Tu me nules encore une fois une blague et je chante les 10 premières paroles de bonbon. Et c'est déjà pas mal. Mais tu vas venir. Oh, c'est vraiment pas loin les tirs là. Ouais, je pense qu'on se dépêche. Oh, elle me mêle. Oh, elle est hyper vénère. Aïe 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 aïe. Oh, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tranquille. T'énerve pas. Je check dehors vite fait. RAS. Mais c'est quoi le délire avec la musique? Je sais pas, écoute là. Et c'est gagné. Yeah. Elle a mon twist en trou le cul. La paix entière. La douceur. Yeah. Et elle désespère. Bon, par contre, là, quand ça tire, c'est vraiment à côté. Hein. Enfin, à côté. Ouais, t'es marseillais, c'est, pas loin, c'est vite dit quand même. Hein. Bah, t'entends quand même tirer, je suis pas fou. Oui, ça tire même. Et donc là, on est encore censé le savoir s'il y a des gens dans la zone. Il y a un truc qui nous le montre. Quand on fait E. À partir de ce stade-là, je sais pas, vu qu'on est en train de faire l'extraction. Des gens me disaient que le boss il se comportait différemment, mais. Je suis pas sûr de ça. C'est Pipo. Pipo? Po ou Pipo, c'est ce qu'il y a sur l'opercule des danettes. Ils te disent un fait et oh putain, ouais, c'est Po. Et t'as une. Et t'as un truc qui est en général vraiment pas drôle. Cette blague qui est vraiment nulle. Ah toujours. Chier de merde. Tu sais, tu te dis, il pourrait être une anecdote intéressante à propos de ce qu'ils ont demandé. Non, non, ils préfèrent faire une blague nulle à la place. J'étais avec mes parents, on était 5, on a lu les 5, il y en a une qui était drôle, 3 qui étaient incompréhensibles, et la 5ème qui était pas drôle du tout. Du coup, on n'a pas compris le principe. Je sais pas pourquoi, ils sont trop cons, ils pourraient faire Po Pipo et juste faire une anecdote. Vraiment bizarre. Hein. C'est tout le temps Pipo, ah les pros d'Annette, ils savent que c'est tout le temps Pipo. Non mais des fois j'ai appris des trucs avec Danette. Hein. T'as entendu un bruit de verre? Oui. Vous avez entendu?
C'est quoi cette trappe? Ça venait de là. Quand je fais E, y'a rien. Il y a eu un bruit de verre ici. C'est marrant. Non mais dans la maison dans laquelle on est? En dessous là. Mais pourtant j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un quand même. Je crois que le boss il s'agite un peu quand même quelqu'un. Les loupiottes elles font du... Ah et ça c'est avant. Genre là on peut plus savoir s'il y a des gens, c'est ça? Ok. Du coup les bruits de verre c'est peut-être un vrai truc. C'était moi les bruits de verre. Yeehaw, le monde sent trop le cul, les cartons de fesses. C'était toi? Oui. Tu casses les couilles. Merde. Bon bah je suis plus inquiet. J'espère que tu te prendras ce piège. Viens en poser un, t'es une merde. Ou celui-là. Mais ça tire. Non mais là c'est vraiment pas discret. Attends, je check le côté ouest. Frapper avec hein. Vous savez ça? Ah! Y'a personne. On va se faire taper normalement juste là. Bonbon c'est pipo, j'ai failli la prendre. Bonbon c'est pipo. Bon pipo. Ah mais maintenant si on fait le E pour trouver les indices de l'autre boss, on gaspille notre... C'est chiant ça. Bah ouais, du coup faut attendre que les autres se bougent le cul mais ils le font pas. Du coup on fait quoi? Bah... On attend quoi, on attend qu'ils fassent leur boulot. Non, moi je pense qu'on y va hein. Moi je dépense là, pas ma vie. Là nous sacrifie, non, non. Sacrifie, vas-y. Mais non, j'ai 4 secondes encore, t'es un malade. J'ai pas envie d'attendre en fait, qui te dit qu'on va pas tomber contre des grosses merdes qui attendent que les autres fassent le taf? MMR4, on est ça face à des salopes. Nord. Ça rajoute une seconde de ramasser les indices. Ah, ils ont peut-être changé un truc avec ça. C'est pas si con. C'est peut-être ouais, vrai. Bon. En tous les cas, tant que je suis pas dans la zone, j'avance. Oh, putain, il m'a fait peur le con. Oh, c'est pas loin. Oh, pipo. Ah, ça cadence pas mal quand même. Hein. C'est vrai que ça canarde. On va vers les tirs? Bah ouais. Il fera toujours une équipe en moins. Hein. Vu la partie qu'on essaye de faire là, vaut mieux avoir le moins d'équipe possible. Autant se remonter les manches et le faire nous-mêmes. Y'a que moi qui trouve le jeu terne. Bah c'est pas Fortnite, hein. C'est pas la même ambiance j'avoue. Ouais, j'ai l'impression que la DA essaie de donner un côté vachement sombre et horrifique. C'est pas sûr. Mais après, peut-être qu'ils prendront la recommandation de le rendre hyper coloré ouais. Et fun. A voir. J'ai demandé à ce qu'ils mettent un bus volant qui nous largue. On verra. À prendre avec des pincettes.
Ça a fait ses preuves, hein, donc peut-être qu'ils vont y réfléchir. Ah, je dis, je gaspille. Je vois personne. Sa mère. On va vers les indices. Tu l'as bien bouffé ta vision. Hein. Bah, je me suis dit, de toute façon, j'allais être cramé, donc. Tu t'es régalé, quoi. Oh putain, il m'a fait peur lui. Tiens, un petit coup de fraîcheur là. Un petit remontant, tiens. Ah putain, mais je peux pas porter plus d'objets que ça. Bah attends, je vais prendre ça, on s'en fout. Ah! On arrive! Oh. Bon, je vais prendre un indice qui est là quand même. Plus de ouf les corbeaux. C'est. Bah, figure-toi que j'ai pas vu parce que j'étais en train de faire mon E. Ah, parce que franchement, c'était large, tu vois. J'ai couru pile poil dessus, mais non, mais j'étais en train de regarder où était l'indice. Tu t'es régalé quand même. Ouais, c'est par là-bas. Oh, c'est. Attends. Non, mais la seringue elle est overcheatée. Pendant 30 minutes, je peux pas être empoisonné. Oh, t'as vu les cadavres? Ah. Vous n'avez pas assez de place pour piller ce chasseur. Pardon. Mais je veux des thunes au moins. Ouais, des fois ça fait ça, mais. Parce que c'était un clodo. Ah, il est trop beau. Oh, le moustique. Ah, le moustique, il est beau. Il est trop beau. Par contre, là, c'est vraiment pas loin. Je pense qu'ils pensent absolument pas. Il y a un nuage de gaz en face. Ils pensent absolument pas à checker leur map. Ouais, je les vois. Il y en a un qui est juste là. Enfin, par là, en tout cas. Et un autre un peu plus à droite. Et du coup, ils tirent sur des gens. Ben. C'est le but. Ça semblerait logique. Ouais, mais connard, mais. Je veux dire, bon, sous-entendu, il y en a 4 quoi. Ah, t'entends ça? Ah, j'en ai vu un passer en courant, je crois. Tu as pris une tête de fils de pute. Pas fun ça. C'est du corps à corps. Ah non, 51 mètres avec un fusil qui fait la taille d'une cigarette. Ah, puis ça voûtait donc. Oh, oh. Alors, ça, toi t'es pas une TikTok girl. Moi je suis un vrai gamer. Au revoir. Ah, puis soigne-toi de bien. Fais gaffe à ce qu'il reste pas l'autre con. Hein. Oh, il me saoule, il voit les trous. Hein. S'il a une grenade, je suis mort. Je suis mort. Au revoir. Il va rester son pote, c'est sûr. T'auras fait tous ses efforts pour rien. En plus maintenant il me voit sur la map, je suis complètement foutu. Mais tu tires des cailloux, c'est quoi ce bruit? T'as vu? Ah, il te pourchasse. Ah, je suis foutu gros, c'est terminé. Après t'as ton E hein. Oh. Ouais. Ah dommage, une baïonnette là, t'aurais foncé dans l'herbe. T'es un ouf toi. Pardon, c'est des portes automatiques, c'est le Super U. C'est ouf hein. Y'en a qu'un seul. Ah mais il reste son pote du coup. Merde, dommage. Oh, il apparaît. Votre corps brûle. Ah. Si t'as des grues de poison pour pas que je brûle. Ah, tu es à droite. À droite encore. Attention.
Regarde, regarde. Hein. Bah, j'ai mis le hit, mais. TikTok girl. Je suis une TikTok girl finalement, quoi. Si je l'ai pas mis dans la tête, je crois, c'est mort. C'est terrible. Bah ouais. Bon. Bon, c'était pas notre soirée. Hein. Non, pas trop. On était plus fort sur le jeu d'aspirateur robot. Oui. Et sur l'escape game, je vous rappelle qu'on l'a réussi avec brio. Pourtant, il était dur. Donc, on a gagné un an de coca. Hein. Je eh, retiens franchement, l'info. Eh, ça va, moi aussi, je veux du coca. Hein. Non, mais on va en faire un petit. Franchement, les gars, les gars, les gars. On travaille ensemble maintenant. Maintenant, main dans la main. Vous... Eh, vous imaginez, on est là en live, on peut en boire. On dit, gorgée eh, de coca bénef, bien frais. Hein. Mmh, je bois mon coca. Ouais. Eh bien, pourquoi à mercredi. Pour débriefer de bonbons. Parce qu'on aura des réponses. Voir sur notre c'est suite. Sûr. Allez, salut, bonne nuit. Salut. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Ciao.